Contact des fins le mercredi 4 décembre 2019 avec Christine. Alors Christine, on a déjà eu un contact avec cette jeune fille qui se presse. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi depuis que je l'ai appelée. Ça y est, elle a commencé. Elle est impatiente, elle me dit. Au moment, elle dit, tu me manques. D'accord, hein? Tu me manques tellement, elle me dit. Les fêtes arrivent, hein? D'accord. Elle me dit, les fêtes arrivent et c'est des moments de joie pour elle. Ces fêtes de Noël et pour vous aussi, c'est de retrouver vos enfants en fait en même temps. D'accord ? C'est drôle parce qu'elle parle une autre langue là. Vous voyez ? Ah. Elle me parle. Elle s'est mise à parler espagnol. Hein. Ah. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle parlait l'espagnol, mais elle s'est mise à parler l'espagnol. Voilà. Ou l'italien ou l'espagnol. Voilà, elle s'est mise à me parler. Alors, ça peut être normal, hein, Christine, de parler une autre langue quand ils sont de l'autre côté, hein, parce qu'ils ont cette facilité de parler d'autres langues. Hein. Voilà. Elle dit Feliz Natal, Feliz Natal. Heureux Noël, elle dit. D'accord. Alors, je pense que c'est surtout le côté festif qu'elle aime, hein, les préparations, les cadeaux, oui. Les boutiques décorées, oui. Les sapins, les petits trains, les petites choses comme ça. C'est tout ce côté féerique qu'elle aime, hein, en fait. D'accord. Je ne sais pas si vous allez le fêter, Christine. Oui. Voilà. Hein? Et elle aimerait quand même, elle dit qu'elle vous accompagnera à ces moments-là parce que c'est un moment important pour elle, la fête. D'accord ? Oui, c'est l'été. Voilà. Déjà, c'est comme si ben, le 1er décembre, il fallait déjà avoir le sapin de Noël, il fallait déjà que ce soit pris. Ok, oui. D'accord ? Vous avez déjà préparé tout ? Non, pas encore, je vais le faire. Alors faites-le parce qu'elle est impatiente. D'accord, ok. M'y mets aujourd'hui. Vous y mettrez aujourd'hui. Hein, elle dit que tu vas avoir le temps parce que elle dit que tu travailles pas demain. Elle dit. Demain, non, je suis en grève. D'accord. Elle dit, c'est le moment. Elle dit, maman. Ok. D'accord. Je vais être avec toi. Je vais mettre toutes les boules. Elle dit. D'accord. Je vais t'accompagner. Elle dit. C'est surtout la magie en fait, cette magie, elle dit que c'est la magie de l'esprit qui est magnifique en fait. C'est le rassemblement de la famille, c'est surtout ça qu'elle voit dans les fêtes qui se passent, elle dit. D'accord, c'est la renaissance, elle dit, comme moi j'ai renais, elle dit. Mm-hmm. D'accord. Oh, elle est très... Ouf, 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 ouf. Hein? Oui. Elle me fait sentir les clémentines, vous voyez, les pâtes de fruits aussi, les choses de pâtes de fruits. Alors c'est drôle. Allez, on va continuer. Les pommes d'amour. Allez, allez, hop, elle lance tout. D'accord. Allez. D'accord. Elle me dit qu'elle a été complètement rétablie. D'accord ? Qu'elle est maintenant complètement rétablie, qu'elle n'a plus de... elle me dit que toutes les crasses de derrière, de son corps, tout ça, c'est terminé, elle dit. Oui. D'accord ? Qu'elle est complètement complètement libérée de tout ça. Elle dit, qu'elle est légère comme une plume. D'accord ? Elle n'était pas lourde, hein. Elle me dit que physiquement, ce n'était pas quelqu'un de lourd, c'est quelqu'un qu'on portait facilement, qu'on pouvait avoir. Oui. Hein, elle n'a pas les os lourds, cette jeune fille, hein, ce qu'elle me montre. Et elle me dit que maintenant, elle est complètement, je veux dire, vaporeuse. C'est comme ça qu'elle me dit. Vaporeuse. Hein, comme du coton, elle dit. Cotonneuse. Mm-hmm. Voilà. Oh, elle est pleine. Elle écrit beaucoup, hein. Elle me dit qu'elle écrit beaucoup. Ouais, d'accord. Elle aime bien écrire. Ouais. Voilà. Ouais. Elle continue de l'autre côté à écrire. Hein. D'accord. D'accord. Elle me dit qu'elle passe des messages d'aide. Oui. D'accord. Des messages d'aide. C'est d'aide, ça? Oui. Oui. Hein? Elle passe des messages, elle me dit. Il y a beaucoup d'amour dans sa. Le guide est en train de me dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans tout ce qu'elle donne en information et tout. D'accord. Ça m'étonne pas. Voilà. Elle était déjà comme ça, petite. Oui. Très affectueuse et très, très affectueuse et toujours en train de. Vous savez, c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité aussi au niveau des personnes. Elle n'aime pas voir quelqu'un pleurer. Elle n'aime pas avoir un enfant dans le chagrin ou voilà. Et elle me dit qu'elle accompagne toutes ces personnes. C'est sa mission de vie de l'autre côté d'accompagner toutes ces personnes.
Hein, et elle écrit beaucoup, elle dit. D'accord. Alors, je ne sais pas qui c'est qui va recevoir ces livres en tant que médium, parce qu'il y a des médiums à un moment donné qui reçoivent. Et elle me dit qu'elle va, elle écrit pour pouvoir transmettre ses écritures. Alors, pour transmettre ce qui se passe de l'autre côté ou autre chose? Oui, de l'autre côté, elle me montre, d'accord? Mais okay. C'est un tout, c'est pas forcément que de l'autre côté. Vous êtes en train d'écrire, Christine? Non. D'accord? Non. D'accord. Elle n'a pas le temps, elle dit. Aussi, j'aurais le temps, je pourrais. Elle veut pas que ce soit par vous. D'accord, elle dit, je suis désolée maman, je veux que tu profites toi de ta vie. Mais elle est en train de me montrer qu'elle a envie de transmettre ses messages à travers un médium qui va écrire des choses qui se passent de l'autre côté, des choses, voilà. Elle me dit, on y travaille progressivement, il y a des choses, des grands changements qui se préparent pour vous sur la Terre. Hein. Mais voilà. Vous me l'avez déjà dit la dernière fois qu'elle écrivait. Et elle continue, elle dit qu'elle continue et elle a une mission vis-à-vis de ça. Elle a deux missions, elle me montre. Hein. D'accord, Christine? Oui. Elle me dit qu'elle a cette mission de vous occuper de vous et puis de s'occuper aussi des autres parce qu'elle a beaucoup de temps aussi. Hein. Elle me montre que le temps est espacé. Et donc du coup, dans sa conscience à elle, elle n'est plus... Elle me dit, je ne suis plus dans un étau comme au début... Quand je suis arrivée, où je n'avais pas encore toutes ces possibilités. Elle dit, tout s'est élargi. D'accord. Voilà. Mmh. Donc, du coup, elle a beaucoup plus de temps pour faire les choses. Alors, elle est sur un plan déjà bien élevé, hein, par rapport à ce qu'elle vous montre. Oui, vous l'avez déjà dit, ça. Oui. D'accord. Hein. Alors, je ne me rappelle pas, Christine, ce que je vous ai dit, mais elle me montre vraiment un plan. Non, mais je n'en doute pas, compte tenu de sa personnalité, etc. Oui. Voilà, hein. C'est drôle ce qu'elle me dit. Je n'ai plus la misère dans mon corps, elle dit. Ben oui. Je n'ai plus de misère dans mon corps. Voilà. Terminé, elle dit. Ça, c'est bien. Voilà. Comment vas-tu, maman, toi? Ben, ça dépend des jours. Voilà. C'est un peu compliqué parfois, quand même. Il y a l'absence. Oui. Même si je sais qu'il y a un au-delà, il y a quand même l'absence physique. Oui. Tu peux toujours m'appeler, elle dit. Tu peux toujours appeler Tana. Tana, c'est ce qu'elle vous dit? Oui. Ah oui. Tu peux toujours... Okay. D'accord. Tu peux toujours me demander de l'aide? Ben, je lui demande parfois, mais bon, je ressens pas de message. Je n'ai plus rien là. Actuellement, je ne sens plus rien. Ça va revenir, Christine. D'accord. D'accord. Elle dit qu'elle a beaucoup de choses à faire actuellement, de préparation. Et le fait aussi de préparer ses fêtes pour elle, ce côté festif pour elle, c'est aussi une façon pour elle de revenir aussi. D'accord, d'accord. Hein, et elle dit, moi, il faut que tu mettes pleine guirlande. Il faut que ça brille. Oui, je sais. D'accord. Il faut que ça brille. Il faut que ça brille, elle dit. Hein, tchic, 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 tchic. Oui. D'accord. Voilà. Hein, voilà. Vous pensez souvent à elle. Vous avez accroché des photos d'elle partout, dans un mur ou quelque chose, Christine? Non, dans ma chambre. Dans votre chambre, parce qu'elle me montre quelque chose que vous avez accroché. D'accord? Elle va souvent, elle passe souvent et elle regarde. D'accord. Hein? Elle est souvent à côté de vous, d'accord? Surtout quand vous regardez par la fenêtre, hein? On a l'impression qu'elle vous regarde de la fenêtre. D'accord. Ce qu'elle me montre, d'accord? Elle me dit que vous pourriez la revoir son reflet entre, vous savez, quand c'est le coucher du soleil, vous pourriez revoir son visage. Sur la fenêtre. Sur la fenêtre, okay. Quand vous regardez à l'extérieur. Elle me dit, ça y est, elle va se planquer tous les jours, elle me dit. Non. Elle joue avec vous. Elle est très, très coquine, très taquine. Oui, elle a toujours été comme ça. Oui. Voilà. Elle me dit qu'elle a rendu visite énormément à son père. D'accord. Ah, j'allais vous en parler justement. Voilà. Elle dit, elle répond à votre question. Hein. J'ai rendu visite. Il progresse tranquillement. Tranquillement. Voilà. Elle dit à son rythme. Hein. L'école est difficile de l'autre côté pour lui. Hein. Ouais. C'est très dur. Hein. Ça m'étonne pas. Il lâche pas des choses. Il veut pas lâcher. Mais toujours pas. Voilà, pareil. Il lâche, il lâche. Elle me dit, elle me dit, c'est des micro-mini au fur et à mesure, mais ça va mieux. Elle dit, ça va mieux. Hein? Elle,
on a l'impression qu'il accepte pas forcément qu'elle l'encourage ou qu'elle, vous voyez, il a quand même un caractère fort, hein, et le fait qu'elle ait été sa fille, il n'admet pas qu'elle soit, qu'elle puisse lui apporter. Voilà. Alors, il admet qu'elle soit sur un autre plan parce qu'il peut rien faire sur ça, d'accord. Mais c'est un peu, il a un côté vaniteux, un côté personnel. Et du coup, c'est ce qu'elle me montre. Et du coup, eh ben, dire que son propre père est sur un plan inférieur, ça a du mal à lâcher. Mais elle m'a dit, Ça m'étonne pas du tout. Ça l'a fait sourire. Hein. Elle me dit, c'est dommage parce que c'est tellement facile. Elle dit, c'est tellement facile de lâcher tout ça. Il va y arriver, maman, t'inquiète pas, je lâche pas. Bon, c'est bien. D'accord. Elle ne le lâche pas. Elle dit, il a laissé les cheveux comme Jésus, elle dit. Encore. D'accord, un peu, vous voyez, un peu désordre. Oui, je vois très bien. Voilà. Je vois très bien. D'accord. Et elle, d'accord, elle dit que les hommes ont souvent les cheveux longs de l'autre côté. D'accord. Une tenue. Elle me dit, ils n'ont pas forcément de barbe, mais ils ont les cheveux longs. D'accord, voilà. Elle aussi, elle a de longs cheveux. Vraiment, de longs cheveux. Elle a laissé pousser ses cheveux. Voilà. Ce n'est pas le même entretien que, que sur Terre, elle dit. Ils ne sont pas sales, ils ne sont pas vite sales, elle dit. Ce n'est pas la même chose. Elle aime bien avoir ses cheveux bien soignés. D'accord. Oui, toujours. Hein, oui. Et elle n'aime pas que ses cheveux soient gras, plats. Voilà, il faut qu'elle lave ses cheveux. Voilà. Elle me dit, la source n'est plus la même, elle dit. La source d'eau n'est plus la même. Elle buvait beaucoup, Christine. Elle boit beaucoup maintenant. Non, pas particulièrement. Vous voyez, elle me montre qu'elle boit beaucoup. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, en fait. D'eau. Oui, de l'eau. Je pense qu'elle avait du mal à boire de l'eau parce qu'elle me montre que ça lui... Ça, comment dire, il y avait comme des rejets au niveau de son corps, d'accord. Elle me montre ça avant. Où est ma petite ma petite qui? Julie ou Juliette ou Juliette. Oui. Elle est rentrée, Juliette, ou elle est toujours elle est rentrée. Alors, elle est rentrée à la maison. Oui. Hein? Et on a l'impression qu'il y a certaines choses qui ne sont pas passées comme elle voulait, ou d'accord, qu'elle est déçue ou quelque chose. Et... Ben, actuellement, elle est un petit peu en pause, là. Elle est en recherche d'emploi, et j'aimerais bien que sa sœur me dise si ça va avancer un peu tout ça. Ça l'a fait sourire, hein. Elle me dit qu'elle est bien chez maman, là. Vous savez, elle fait un break. C'est ça, c'est exactement ça. Un gros break, elle dit. Exactement. Et j'aimerais que ce soit un break qui se dénoue un peu, là, qu'elle avance un peu. Elle va avancer, elle me dit qu'elle va l'aider à avancer. D'accord. Merci. Mais cette période-là, c'est une période difficile aussi pour Juliette. Dites-moi, Christine, votre fille est partie à cette période-là? Non. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est drôle, on a l'impression que Juliette a le besoin de se sentir... Alors, elle a un caractère fort, hein, Juliette. C'est un caractère comme son père, me dit. Comme son père. Possessif et tout ça, d'accord. Voilà. Et du coup, vous n'avez pas forcément votre mot à dire, ou si vous dites les choses, c'est compliqué, d'accord. C'est compliqué. Et d'accord. Votre fille est en train de me dire que elle a eu des soucis, des choses qu'elle n'a pas pu régler, ou voyez. Et du coup, tout ça, au lieu d'évacuer, d'en parler, de vous en parler même, hein, voilà, elle garde tout, et puis c'est pas forcément bon. Et vous n'arrivez pas à lui tirer les vers du nez. T'arrives pas, maman, à lui tirer du verre du nez. Ben, je lui ai écrit une lettre et elle a été touchée par la lettre, mais elle ne m'a pas plus parlé après. Non, non, non. Il y a une déception, il y a quelque chose, en fait. Oui. Elle y arrivera après, mais il dit, il faut que tu ailles doucement avec elle. Tu sais, c'est comme papa. Il faut mettre les mots, les termes, les moments. J'ai bien compris. Les minutes. Oui. Voilà, l'espace-temps n'est pas le même que le tien, maman. Si toi, tu as envie, il va falloir que c'est elle qui vienne vers toi. D'accord. Voilà. Elle vous en parlera, hein, d'accord, hein. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas être jugé. C'est pour ça. Elle veut qu'on l'écoute, mais pas qu'on la juge. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui. D'accord.
Et pas qu'on la compare à sa sœur, parce que non. Sa sœur avait un certain aura, et je pense qu'il y a quand même un petit peu de jalousie, enfin, il y a quelque chose. Alors, elle a l'impression aussi que d'un côté, c'est toujours... d'accord, elle me dit qu'il ne faut pas me valoir, maman, tu sais qui je suis. Voilà, oui. Maintenant, elle est sur terre, et elle a besoin de toi, elle a besoin de ton amour. Moi, je l'ai déjà. Je sais. Voilà. Elle sait que vous lui donnez de l'amour et tout ça, mais elle s'interdit, vous voyez, elle se punit elle-même en fait, Juliette. Oui. Elle se punit elle-même de recevoir votre amour et puis après elle va dire, ben, maman ne me donne pas assez d'amour, vous voyez. Alors vous inquiétez pas, je suis passée aussi par là avec une de mes filles. Donc à un moment donné, il faut une petite crise existentielle, c'est exactement ça, ce qui peut être naturel pour eux. D'accord, c'est aussi le côté femme qui est là, qui est présente aussi. Oui, oui. Vous voyez, on sort de l'adolescence, de la jeune fille, et puis après, c'est le côté femme. Et donc, on peut avoir ce moment d'existence, le besoin de se reconnaître dans tout ça. Voilà. Parce que c'est pour sa père de sa sœur, ça a été quand même difficile, même si elle n'en parle pas. Bien sûr. D'accord. Elle a une autre façon d'exprimer sa douleur ou sa souffrance. Voilà. Je vais l'aider. Anaïs, c'est ça? Anaïs. Elle est en train de me dire, t'inquiète pas, je vais la pousser un peu pour que tu sois un peu tranquille après aussi. Mais c'est pas pour que je sois tranquille, c'est pour qu'elle fasse sa vie et qu'elle Elle le sait bien, mais c'est pour qu'elle... Il y a une déception amoureuse, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui a... Vous voyez, oui, il y a une déception amoureuse. Oui. Hein? Et du coup, ça l'a complètement... Alors, elle est désolée, hein, Anaïs, de parler de la vie privée de sa sœur, hein, mais c'est ça, en fait. Il y a des choses qui n'ont pas été réglées entre eux. Et du coup, voilà. Elle dit, je vois tout. Oui, je sais. Mais souvent, je lui demande de l'aider. Je lui demande de l'aider, sa sœur, de la pousser un petit peu. Elle va l'aider, elle va l'aider. Elle va l'aider, puis je ne sais pas si ce garçon, si elle a envie de revenir vers ce garçon et ce garçon l'a repoussé. Non. Ou... Non. Voilà, il y a quelqu'un qui repousse l'autre, hein, c'est ce qu'elle me montre, Anaïs. Mais il y a quand même une rencontre de quelqu'un d'autre. Ah, tant mieux. Hein, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui va lui donner... Je crois qu'il n'était pas fait pour elle, il n'était pas très fiable. Non, 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 non. Voilà. Non, non. Et ça n'aurait pas été compatible, elle dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui se prépare pour elle, quelqu'un de bien. Parce qu'avec le caractère qu'elle a, Juliette, il lui faut quelqu'un qui lui apporte de la douceur. Oui. Et pas quelqu'un qui soit constamment en quête de possession vis-à-vis d'elle. Elle n'accepte pas, Juliette, ça. Il faut quelqu'un qui la comprenne, qui l'entoure et qui lui montre son amour. Voilà. Exactement ça. Voilà. Oui. Elle se balance. Elle fait ça. Elle est contente. Alors, elle a deux chats. Hein. Elle me montre qu'elle a deux chats. Ah, mais avec vous ses chats. Parlé d'accord. Des deux chats. Oui. Frimousse. Frimousse. Elle en a un qu'elle a appelé Frimousse. Et l'autre, est-ce que tu veux bien me donner son nom? Napage. 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 Ok. Frimousse et Napage. Mais, voilà. Vous m'avez dit qu'elle avait un copain aussi de l'autre côté. Oui. Ah oui. Elle a un chéri. Elle me montre qu'elle a quelqu'un. Ouais. Oui, il est beau, hein? Ah ben ça. C'était une belle fille aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est un beau garçon, hein? C'est quelqu'un de grand, hein. Elle me montre quelqu'un qui est châtain clair, les yeux verts et châtain clair, une peau très très blanche. Hein. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux bien me donner son nom? Jérôme, il s'appelle. Jérôme. Jérôme. D'accord. Ok. Elle dit, vous savez, hop, elle prend par le bras et elle dit, on va bien ensemble. C'est pas un musicien par hasard. Si, il adore la musique. Ben oui, parce qu'elle aussi. Hein. La musique et il peint aussi, c'est quelqu'un qui peint. Oui. D'accord, hein. Elle aime tout ce qui est artistique.
tout ce qui est lié à l'artistique, tout ce qui est les théâtres, tout ce qui est les comédies, tout ce qui est... voilà. Vous aussi, vous aimez tout ça, Christine? Oui, hein, vous, exactement. C'est vous qui lui avez donné ces... Comment dire, elle me dit, ces inspirations... peut-être. D'accord, hein, toutes ces choses-là. C'est drôle parce qu'elle me dit qu'elle a vu une pièce de Molière dernièrement, de l'autre côté. D'accord. Voilà, ils ont beaucoup rigolé, hein. Voilà. Elle dit que de l'autre côté, on s'amuse. Il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a des chants, il y a de la danse. Tout ça, ça continue de l'autre côté. D'accord. Mm-hmm. Elle dit qu'il y a des endroits où on peut écouter de la musique sur un étang. Elle est en train de vous montrer la chose. Elle dit, il fait bon, les petits oiseaux, ils sont là. Et tout le monde écoute, elle dit. Tout le monde est dans le silence. Il y a beaucoup d'instruments de musique où on joue. Elle dit, on ne s'ennuie pas, elle dit. On apporte un travail, on est obligé d'apporter un travail. On participe à la communauté. Mais on prend aussi beaucoup de temps pour nous aussi. Comme la vie... Envie, hein. Elle dit comme la vie est belle ici, maman. Oui, pour elle surtout, oui. Voilà. J'en ai tellement souffert, elle dit, sur la terre. Oui. J'ai lutté, elle dit, j'ai lutté. Je me suis accrochée pour toi, elle dit. Mm-hmm. Pour toi et pour Juliette, elle dit. Mm. Parce que je ne voulais pas vous laisser. Eh oui. D'accord. Dis à Juliette que je me suis accrochée pour elle aussi, parce que je l'aime. Et oui. Voilà. Dis-lui que je l'aime énormément et que je serai là pour elle. Mais elle ne me demande pas. Ah. Elle demande, mais après elle dit, bon, elle ne va pas le faire. Voilà. Vous savez, elle n'est pas encore dans ce côté où elle peut demander. D'accord ? Elle s'interdit des fois de le demander. Voilà. Oui. Elle dit, elle peut me demander. Elle me dit, je ne pourrai intervenir que si elle me demande et si, bien sûr, je suis autorisée à l'aider, mais je le ferai, elle dit. C'est un temps, mais je vais l'aider, elle dit. Malgré qu'elle ne me demande pas, je vais quand même l'aider, elle dit. Voilà. Pour te soulager, toi, maman, et pour la soulager, pour qu'elle... Juliette, c'est comme si, vous savez, c'est quelqu'un qui aime les choses, la vie et tout ça, et des fois, elle ne raisonne pas forcément avec les... Il y a des gens qui sont bien, et elle va peut-être avoir un mauvais jugement sur une personne bien, et sur quelqu'un qui n'est pas bien, elle va avoir un autre jugement de quelqu'un de bien. Elle n'a pas de résonance encore par rapport... c'est l'expérience, c'est son âme qui évolue. Donc, elle va évoluer. D'accord. Et elle aura des enfants, maman. T'inquiète pas, tu seras ma mamie. Oui. D'accord. Oh, ça sera une bonne maman, elle dit. Mois de mai, c'est quoi le mois de mai? C'est le mois de son anniversaire et c'est le mois où elle a reçu sa greffe. D'accord. Pas très joyeux, elle dit tout ça. Non, pas très joyeux. Elle dit pas très joyeux. Mais bon, on a essayé, elle dit. Ouais. On a essayé. Tu ne pourras pas dire que tu n'as rien tenté. Tu as tout fait pour moi, elle dit. D'accord ? Oui. Tu as tout fait, elle dit. Non, mais elle aussi, elle s'est beaucoup battue. Hein. Voilà. Elle dit, tu sais, on n'a plus besoin de tout ça maintenant de l'autre côté. Non. C'est sûr. Elle dit, son cœur, vous êtes là dans son cœur. Juliette est dans son cœur, là. Ses amis sont dans son cœur. Alors, ses amis... Ses tantes sont dans son cœur. Elle dit quelque chose de particulier sur ses amis, parce que je vais les voir bientôt. Il y a des filles et des garçons. Hein. Elle est quand même beaucoup aimée. Hein. Voilà. Oui. C'est qui Thomas? Thomas, c'est un copain d'école. Enfin, et puis un ami, oui. Ouais. C'est Thomas que vous allez rencontrer, non. Christine? Non, il vient. Il vient non. pas Thomas, il était beaucoup amoureux d'elle pendant un temps. C'était un ami, mais elle il aimait beaucoup Anaïs. Elle le sait. Elle le sait. Elle le sait. Ah oui, elle le sait. D'accord. Et elle a... Alors, elle aime tous ses amis, d'accord. Mais Thomas, ça a été difficile. Vous savez, oui. son départ. Oui. Elle dit,
Il y a une construction à faire vis-à-vis de Thomas par rapport à moi. Et je dois aider Thomas aussi. Thomas, c'est comme si la femme de sa vie, c'était, elle dit, c'était moi, c'était Nana, elle dit. D'accord. Et du coup, il se transfère toujours à rencontrer quelqu'un comme elle. Et c'est pas bon. Ah mince. Vous voyez, c'est pas bon, elle dit. Moi, c'est moi, elle dit. Il faut plus qu'il ait cette image de moi à travers une autre femme. Mmh. Vous voyez, c'est difficile hein, pour lui. Ouais, Thomas, mon petit Thomas, elle dit. Je savais qu'il était. Il me plaisait bien, mais ça pouvait pas se faire parce que elle le considérait plus comme un frère. Hein, vous voyez. Oui. Voilà, c'était une amitié plus fraternelle. Oui. Que amoureuse. Bien sûr. Voilà. Mmh. Parce qu'elle fait ça unie. Mmh. On était unis les uns avec les autres. Elle voulait être enseignante, Christine ? Plus petite, oui. Elle voulait, oui. D'accord. Après, non, pas trop. D'accord. Alors, elle ne fait pas ça de l'autre côté. Hein. Elle me montre qu'elle écrit, d'accord ? Disons qu'elle est écrivaine de l'autre côté, qu'elle écrit et qu'elle aide, elle soigne, elle aide. Vous voyez, elle soigne par les mots. Elle soigne pas avec les mains, elle me montre, d'accord. Elle ne soigne pas les gens qui arrivent avec des maladies. Elle dit, moi, j'étais dans la maladie, c'est bon. Elle dit, je ne voulais pas de ça. D'accord hein ouais. Voilà, des gens qu'on oui, doit soigner. Elle dit, moi, je soigne par les mots. Je réconforte. Oui. Voilà, je leur apporte du réconfort. Elle les éveille aussi, spirituellement. D'accord hein. C'est bien. Voilà. Elle est toujours en train de toucher ses mains, là. Le besoin, vous voyez, à travers mes mains, elle touche ses mains. Elle a besoin de toucher les mains. Pourquoi elle me montre la Bretagne ? Vous aviez de la famille en Bretagne ? Un peu plus bas, en Bretagne. D'accord. La Normandie, c'est ça ? Ou je sais pas. Moi, on habite en Normandie. Vous habitez en Normandie. Parce que mais la famille. Elle me montre des gens avec des toques, hein, des femmes avec des toques. Hein. Je sais pas pourquoi elle me montre ça. Mmh. Mais c'est plutôt la Bretagne où on porte des chapeaux. Mais non, on n'est pas breton. Moi, j'habite en Normandie, mais la famille est dans le Poitou, vous voyez. Donc c'est entre les deux. Mais c'est d'accord. Pas... D'accord. Et puis ça la fait rire. Hein. Je sais pas pourquoi elle me montre ça, mais ça la fait rire. Hein. Pas. Elle aimait les biscuits peut-être, Christine. Biscuits oui, bretons. Elle aimait beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses. Hein, elle me montre les biscuits bretons. Les biscuits bretons. Voilà, je ne vais pas faire de la pub, mais voilà, elle me montre les biscuits bretons. Et comme c'est sa grand-mère qui lui en achetait, oui. D'accord. Et elle dit qu'elle a envie d'en goûter un du biscuit breton. Vous voyez, ah, c'est sa grand-mère qui lui a acheté. Et elle dit, ça me manque. Ça, en fait, comme elle me ressent mon corps, elle me dit, va, Isabelle, va manger un gâteau breton. Non, je ne veux pas manger de gâteau. Mais j'ai le goût dans la bouche avec elle. D'accord. C'est trop drôle. Voilà. Oui. C'est sa grand-mère. Et sa grand-mère est de l'autre côté ? Oui. D'accord. Enfin, avec elle, oui. Oui, d'accord. Elle est de l'autre côté, c'est pour ça. D'accord. Elle est décédée. D'accord. Et ils sont ensemble. D'accord. C'est pour ça qu'elle me montre les gâteaux bretons. C'est sa grand-mère qui lui préparait. Ok. Alors, des fois, ils ont des façons d'expliquer les choses. Voilà. Hein, il faut que je saisisse... Mais elle était partie déjà avant, sa grand-mère. Oui, oui. Hein, parce qu'elle me montre qu'elle était partie bien avant et que c'est elle qui l'a recueillie. D'accord ? Ils sont ensemble. Voilà. Elle a un petit bichon aussi, elle me montre. Un petit bichon blanc. D'accord ? Elle me montre un petit bichon. Oh, elle adore les animaux. Elle me dit, ça m'a tellement manqué de ne pas en avoir. Elle me dit, oui. Maman. Elle me dit, elle les a recueillis, hein. Elle me montre qu'elle les a recueillis. Hein. Ce sont des animaux qui n'ont pas eu sur Terre, elle dit, la chance d'avoir de l'amour. Et elle les a recueillis. Elle me dit, ce sont des boules d'amour. Oui, c'est vrai. Vous avez un petit chien ? Non, j'ai eu, mais j'ai plus. D'accord. Vous voulez poser des questions, Christine ? Ben, je crois qu'elle a répondu à pas mal de mes questions. Elle a devancé mes questions, la chiffie. Elle dit qu'elle est contente que vous alliez voir ses amis. Et en fait, c'était aussi une façon aussi de vous retrouver. D'accord ?
Voilà. Exactement. En Et fait, vous retrouvez. c'est un petit truc qu'on a instauré depuis son décès. Ils Voilà. viennent faire un Voilà. réveillon de Noël avec moi. Voilà, c'est ça. Et elle est très heureuse de ça. Et elle dit, prépare le sapin de Noël. Oui, on y va aujourd'hui. D'accord? Parce qu'elle va être là. Elle D'accord. va être présente. Elle veut entendre ce que vous allez dire. Elle veut être présente. D'accord? Ben oui, là Voilà, c'est ses c'est meilleurs important. amis qui viennent, donc Voilà. forcément, oui. Et elle aurait aimé que Thomas soit là, mais bon, c'est pas grave, elle La dit. Thomas. Thomas dans son Non. cœur, elle dit. Thomas dans mon cœur, Thomas dans mon cœur, Thomas est dans mon cœur. D'accord. Mais qui ne cherche pas D'accord. quelqu'un. Moi, je suis unique, elle dit. Voilà. Chacun de nous est unique. Voilà. Ben c'est sûr. Voilà. Oh là là, j'ai le ventre qui me gargouille avec elle, comme si elle avait faim d'un seul coup. Vous voyez, elle a envie de manger, 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 manger. Alors, je pense que c'était quelqu'un qui aimait manger, mais qui ne pouvait pas manger comme elle voulait. Si elle pouvait manger, mais elle gardait pas ce qu'elle mangeait trop Voilà, souvent. c'est Ça ne lui ça. profitait pas, quoi. Voilà. Ouais. Hein, et elle me, vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de me montrer, qu'elle aimait manger, mais qu'elle ne pouvait pas. Vous voyez, c'est ça. Ok. Hein, par rapport à son corps ne gardait pas, elle dit. D'accord? Pourtant, alors là, c'est drôle, elle me montre plein de choses. Les fruits de mer, Ah oui. les langoustes, tout ce qui est. J'ai le goût de tout ce qui est iodé en fait dans la bouche. Oui. Voilà. Elle adore ça. Elle adore la mer. Hein. Elle adore tout ce qui est iodé, la nature. Ouh, elle est vraiment. Elle a une énergie multidimensionnelle avec elle. Hein. D'accord? Voilà. Oui. Oui. Je pourrais même dire qu'elle est dans une énergie. Je ne peux même pas le dire, Christine. Je ne peux pas le dire là comme ça. Je vous le dirai après. Voilà. Elle dit qu'elle va vous aider et qu'elle va aider sa sœur parce qu'elle tient à ça. Elle tient que sa sœur réussisse et qu'elle y arrive. D'accord? Mais il faut qu'elle ouvre son cœur. Elle ouvre son cœur à des gens qui ne méritent pas, elle dit. Voilà. C'est pas Bah, qu'elle, c'est ces ce qui gens, fait. c'est pas que ces gens ne C'est ce méritent qui... pas, mais c'est que ils lui font plus de mal que de bien. Ouais, c'est ce qui s'est D'accord? passé que le dernier petit copain, là, oui, c'est ça. Voilà. Et elle dit, il faut qu'elle apprenne à ouvrir son cœur à des gens qui le méritent. Vous voyez, il faut qu'elle ouvre la lumière, sa lumière, qu'elle s'éclaire elle-même, parce que tout va s'éclairer, tout son chemin va s'éclairer. Mais pour ça, il faut qu'elle le demande. Qu'elle demande que la lumière s'éclaire en elle pour on puisse la mener sur un chemin de lumière, elle dit. Un chemin d'amour. Le vrai amour, elle dit. Pas l'amour Oui, mais possessif. elle est plutôt en berne en ce moment, je trouve. Hein. Elle dit, ben, elle s'apitoie sur elle-même en ce moment. Voilà. D'accord? Voilà. C'est pas facile, elle dit. Non. C'est pas facile d'aimer et d'être, elle dit, d'être déçue. C'est ça. Elle veut parler avec vous en intimité, là. D'accord. Ok. Pas de souci.